Africulture numéro 7, ça débute le vendredi 13 et ça se termine le 14 à 21h, évidemment avec un spectacle. Mais avant toute chose, nous avons Annette qui va nous faire rêver pendant quelques instants. Bonjour Annette. Bonjour Philippe. Et bonjour Liliane. Bonjour Philippe. Alors mesdames, évidemment c'est l'occasion de parler de la femme, puisque la femme est à l'honneur. Le 8 mars c'est le jour de la femme, et puis là ici la femme sera à l'honneur durant un week-end, et il y aura aussi des super mamas, etc. Expliquez-moi un petit peu, faites-moi rêver, donnez-moi envie de partir en Afrique. Mais écoutez, ce jour-là, donc, il y aura possibilité de déguster sur place des produits africains. Et alors, il y aura encore des exposants, donc il viendront des petits artistes qui vont venir vendre des petits objets. À partir de 17h, il y aura l'élection Miss Mama Africa. Alors, qu'est-ce que c'est que l'élection de Miss Mama Africa? Et en fait, c'est pour mettre la maman africaine à l'honneur. Mm-hmm. Donc, voilà, ce n'est pas un concours réel, c'est pour, en fait, c'est un défilé de maman, et on a envie donc de pouvoir ce jour-là lui remercier pour tout ce qu'une maman fait, quoi. Mm-hmm. Donc la maman est peut-être souvent oubliée, alors que la maman est le pilier de tout, quoi. C'est la maman, c'est ouais, le papa, je sers à rien, c'est ça? Ben, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Il a servi au départ, quoi. Oui, mais après, c'est la maman qui fait tout. D'accord. Qui fait tout. Merci. Voilà. Merci. Annette, des grands moments phares de ce week-end que tu veux absolument insister à ce que les gens bougent pour venir justement à Africulture numéro 7. Oui, donc Africulture entre dans sa 7e édition. C'est un rendez-vous culturel vraiment connu et reconnu dans la ville de Charleroi. Donc mm-hmm. C'est le soleil vraiment en plein masse à Charleroi, avec les artistes qui viennent de l'Afrique, essentiellement pour le public carolo. Mm-hmm. Et voilà, donc nous avons deux journées d'exposition, comme a dit Liliane, le 13 le 14, de 9h, on va dire, l'exposition jusqu'à 19h. Oui. Et après, on aura un défilé des mamas. Des mamas, donc le thème de ce défilé, ça sera les reines et héroïnes. Donc on va parcourir l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, à travers ces femmes qui ont dirigé, qui ont fait rayonner l'Afrique, comme la reine de Saba, Cléopâtre. Donc toutes ces femmes qui ont dirigé l'Afrique. Et quand elles dirigeaient l'Afrique, l'Afrique était crainte et respectée. Donc ce soir-là, donc le 13 mars à 17h, les mamas africaines et les mamas belges, puisque dans le groupe il n'y a pas essentiellement les africaines, viendront vraiment mettre les femmes, les héroïnes, les reines africaines à l'honneur. Là aussi, la soirée de clôture, donc le samedi, à partir de 21h, c'est la fête. Oui, ça c'est l'apothéose. Alors, c'est vraiment le programme. Oui. Le programme. Le programme, nous avons le grand Rabarabit, petit pays, qui est notre Johnny Hallyday africain, qui viendra. Notre Johnny Hallyday africain, d'accord. Oui, donc, okay. Il est connu en Afrique, qui a accepté venir à Charleroi pour un grand concert, c'est Me Life. C'est lui qui chante « On a gagné, on a gagné, on a gagné et ». Donc, on va danser au rythme de l'Afrique, ce rythme qui met la chaleur. Vous savez qu'à ce moment de crise, les gens ont envie d'oublier la crise. Donc, c'est le moment de venir avec nous, de danser au rythme de l'Afrique, au rythme de l'Europe, et pour que vive la diversité culturelle et vive la cohésion sociale qui est en mal actuellement dans notre société. Il ne sera pas tout seul, parce que je vois qu'il y a une super nana à côté de lui sur l'affiche. Oui, oui. Ça, c'est notre reine qui viendra vraiment chanter. Ça, c'est ce qu'on appelle le mangabeu. C'est une danse traditionnelle qui fait vibrer vraiment tout le corps. Ça, c'est Passy la Noblesse, qui est une étoile montante du mangabeu au Cameroun. Passy la Noblesse et Petit Pays donc seront les grosses têtes d'affiche donc du spectacle à partir de 21h. Il y a un prix d'entrée, Annette, pour le spectacle? Oui, le prix d'entrée, c'est 20€ en pré-vente et puis 25€ à l'entrée. Donc voilà, c'est... Alors, toutes les informations, évidemment, se trouvent sur un site internet. C'est celui de... www.afri-culture.be. Et un numéro de téléphone si on veut se renseigner, Annette aussi? Oui, 0476 598 129. Alors on insiste bien aussi sur le fait que ce week-end festif d'Africulture, c'est aussi de casser une barrière, c'est aussi l'occasion de découvrir du soleil, c'est carrément l'occasion de rencontrer des gens, de parler avec eux, de découvrir carrément des choses parfois qu'on ignore complètement. Et sur le temps d'un week-end, en deux expériences avec vous, avec la radio, je pense que j'ai déjà compris pas mal de choses.
Voilà. On sait s'amuser en Afrique, on sait s'amuser. Il n'y a pas que les Africains aussi, il y a des Congolais. Hein. Donc il y a des Belges aussi. Et alors ce que j'ai aimé aussi, c'est la manière que les Belges viennent et posent des questions aussi. D'ailleurs, moi je pose énormément de questions quand je fais l'événement avec vous parce que j'ai envie de savoir des choses sur la culture africaine. Donc c'est l'occasion. Donc Africulture, rendez-vous donc le vendredi 13. Et là le 13, ça commence par une flash mob. Puis évidemment, toute la journée de vendredi, il y aura donc des conférences. Le samedi, évidemment aussi, il y aura des produits d'Afrique à découvrir, des exposants qui seront là. Et puis on clôture donc à partir de 21h avec la folie, la danse. Et je pense, si je me souviens bien, ça doit... C'est terminé très très tard dans la nuit. Oui, donc on sait à quelle heure ça commence parce que vous savez, l'ambiance sera vraiment chaude et la bière fraîche. Donc avec ça, on ne voit pas le temps passer. C'est de la bière africaine ? Un peu de tout. La bière belgo-belge, la bière, la Simba du Congo. Donc voilà, pour les coopérants qui ont connu un peu le Congo, ça serait l'occasion de revivre ces moments-là. Rendez-vous donc avec Africulture donc le 13 et le 14 mars, www.afri-culture.be, www.afri-culture.be. Et si vous voulez plus d'informations, vous contactez Annette au 0476 598 129. Et c'est bien ça, Philippe. Annette Iliane, merci d'être passée dans les studios de Ramdam. Et puis on fait la fête donc le week-end ensemble, hein. Merci beaucoup, Philippe. Sans différence et sans discrimination. En effet. On merci. On vous attend tous. Et on vous attend tous.